C'est arrivé 2 ans après l'effondrement des marchés financiers. Notre monde a changé. Tandis que les pays les plus développés ont réussi à maîtriser la situation, la vie dans le tiers-monde est devenue encore plus difficile, encore plus dangereuse. Des chefs militaires locaux ont édifié leur propre petit royaume et se sont affrontés les uns et les autres pour ce qu'ils ont estimé de précieux. Les gouvernements ont tenté en vain d'apaiser ces conflits. Le Brésil a été une exception. Il y avait bien des signes avant-coureurs que certains chefs militaires rassemblaient des forces dans la profonde jungle amazonienne. Mais, dans son ensemble, le pays a vécu dans une paix relative. Donc, notre mission au Brésil semblait un boulot facile. Du moins, c'est ce que nous pensions. Un avion s'est écrasé dans l'état Amazonas et on nous a appelés pour sauver les survivants et trouver un disque contenant des données précieuses. Notre contact n'a pas caché que le disque était de loin plus important que n'importe quel survivant. Nous n'avions aucune idée du contenu de ce disque, mais on était des mercenaires et on savait qu'il était mieux de ne pas poser trop de questions. Ils ont offert un tas de pognon. On a accepté le boulot. On n'aurait pas dû. Alors, on va repérer ce truc par les numéros, trouver cet avion, trouver le colis, et rendez-vous avec notre hélico à 15h. Vite les gars, j'ai une partie de poker à Las Vegas dans 2 jours. Je n'ai vraiment pas envie d'être en retard. Comprenez ? Il a été touché par un sable ! Le moteur gauche est à caisse ! Vous me sentez immédiatement ! Tout le monde dehors ! Bougez ! Bougez ! Où je suis? Cette petite randonnée, c'est la pire des mauvaises idées. Entre, Paladin! Je répète, Paladin, tu me reçois? Je t'entends, Océ, juste à travers les vibrations de ma tête. Tu peux contacter les autres? Négatif! Tu viens d'atterrir en dehors du champ de vision du satellite. J'arrive à peine à te joindre avec la radio de secours. Magnifique. Ok, j'essaierai de trouver les autres et d'avancer vers le point d'atterrissage. Reçu, sois prudent. T'inquiète pas, je n'entends que quelques oslots enragés. Paladin, ici, c'est Paladin. C'est qui, là? Paladin, j'ai atterri dans le pétrin, en plein dans une patrouille ennemie. Ah, il me faudrait vraiment de l'aide, monsieur. Ennemi abattu! Dans le potage, monsieur. Je suis encerclé et mon... Osso, allez, ces gars sont pas si durs que ça. Ennemi abattu. Je croyais être sur le point de voir la Vierge. Merci, Paladin. Osso, confirme que t'as jeté un coup d'œil sur Thor. Fini. Il est devant toi, Paladin. Il a fait son rapport et a repéré une troupe ennemie en approche. Il a immédiatement besoin de renforts. Fais gaffe, des ennemis cachés devant nous. Ennemi abattu! Monsieur, vous entendez ça? Attention, hélico hostile! Je parie qu'il nous cherche! Couchez-vous maintenant! Putain, c'était chaud! Je me demande qui sont ces salauds!
Des ASA ? Ouais, Thor. C'est sympa de ne pas avoir fait sauter toute la jungle. Ouais, vous m'avez manqué aussi. Monsieur ? Ouais, je l'entends. Une Jeep arrive de l'autre côté. Thor, il est temps de jouer avec ton bâton explosif. Ennemi abattu ! Joli coup ! Ok les gars, soyez prudents. Le point Alpha c'est chaud. Il paraît que c'est des bandits locaux. Shadow est toujours hors de portée du satellite, tout comme vous. Mais il dit que dans quelques minutes il sera au point Alpha. Ah joli. Il semble que nous sommes les premiers arrivés. J'espère que les autres vont bien. Cherchez-vous un petit buisson confortable, les gars. On va attendre un peu ici. Et gardez bien vos yeux ouverts. Shadow, quelle est ta position? T'as réussi à trouver quelqu'un? Paladin et les autres sont déjà au point Alpha. Donne-moi juste un peu plus de temps. Merci d'avoir prévenu. Shadow, je crois que j'arrive à capter un signal du squad D. Je vérifie. Peloton D, parlez-moi. Ici Peloton D. Deux hommes tombés, deux vivants et en groupe. Nom de Dieu, Shadow! On est attaqué! Peloton D, répondez! Peloton D! Oh, nom de Dieu! Ennemi abattu! Zombie, vous me recevez? Affirmatif, Freder. Dites-moi que vous n'êtes pas loin. Je suis proche de votre position. Reçu, mais il y a un patrouilleur ennemi sur le passage. Mais vous en avez un autre pas loin d'ici, prêt à aider son pote. Je peux glisser vers ces arbustes, et de là peut-être en descendre quelques-uns. Vous avez moyen de me couvrir? Préparez-vous à bondir. Shadow à flash. Heureux d'entendre votre voix, monsieur. Je suis du côté nord. Et faites gaffe. Eusto s'en fout. Essuie un feu ennemi. Ah ! Un de moins. Joli coup. Ah ! Ennemi abattu. Ennemi abattu. Putain, Flash, tu peux pas exécuter les ordres. Je t'ai dit de pas bouger. Je suis de retour. Merci, vous allez bien. On bouge. Un de moins. Joli coup. Un de moins.
suis un feu ennemi! Un de moins. Ennemi abattu! Ennemi abattu! Joli coup. Você está morto, amigo. Contrôle, où est l'unité de Paladine? Ils sont déjà au point Alpha. Dépêchez-vous avant qu'ils se cassent sans vous. Est-ce qu'il y a une chance que vous trouviez quelqu'un d'autre? À peu près autant que de ne pas attraper la malaria dans cet enfer. Tout est OK, Paladin. Vous êtes dans la zone de mission. Votre détroit s'est écrasé à seulement quelques mètres de vous. L'épave que vous cherchez est derrière ça, un peu plus loin dans la jungle. Fais gaffe! Il y a de l'activité autour de l'épave. Probablement des sales types. Il y a un chemin étroit qui y mène directement. Mais ces rochers à côté de vous vous bloquent le chemin. Je pense qu'on se débrouillera, merci. On bouge. On dégage! Feu d'artifice, les gars! Je parie que les têtes d'œufs de l'ISS l'ont vu aussi.
On dégage! Je suis sous le feu! Un de moins! Ennemi abattu! On se bouge, les gars. On bouge. On me tire dessus! Joli coup. Je suis sous le feu! Ennemi abattu! On se bouge. On se bouge, les gars. On dégage. Essuie un feu ennemi. Stop. Ah, il me tire dessus. Merde, ces salons ont désossé l'avion. Il n'y a rien d'utilisable ici. Vérifiez les alentours, il peut y avoir quelque chose qui leur a échappé. C'est ça, des munitions. Ils ont laissé quelques caisses derrière. Pas grand-chose, mais ça fera l'affaire. Ossé, trouve-nous un chemin jusqu'à l'autre épave. Mais je propose d'abandonner la mission, moi. C'est trop risqué. L'hélico d'évacuation peut traverser la frontière et être au point Charlie dans 2 heures. Abandonner la mission? Vous foutez de moi, hein? Nous avons pris le boulot, il faut le faire jusqu'au bout. On dégage! J'ai trouvé des munitions. On bouge. On se bouge, les gars. On se bouge, les gars. Ennemi à 5 heures. Les sales types qui s'approchent derrière vous. Que tout le monde protège son cul. On dégage. On me tire dessus. Il est mort. Ennemi abattu! Attention! Des sales types autour de l'épave! Quelques-uns ont commencé à bouger dans votre direction! On se bouge, les gars! On dégage! Essuie un feu ennemi! On se bouge, les gars. On se bouge, les gars. On bouge. On se bouge. Je suis sous le feu!
Ah, joli! Ennemi abattu! Ennemi abattu! Ok, on y est. Tous les gars, sécurisez le périmètre autour de l'avion pendant que Shadow et moi, on cherche les données. Ouais, deux pilotes et un col blanc. Tous avec un joli petit trou dans la tête. Pas de trace du colis. Vous avez une idée contre qui on se frite? J'en suis pas sûr. Ces types sont probablement les mecs du commandant local, Diego Rodriguez. Il y a un camp ennemi qui ressemble à un site SAM. Le colis est peut-être là. Un site SAM? Tu rigoles? Allez, vérifiez-moi rapidement ce sacré Rodriguez. Il a un drôle d'équipement pour un commandant local. Ok les mecs, visitons ce petit campement. Ennemi à 2 heures. On se bouge, les gars. On bouge. On se bouge. Il me tire dessus! Stop! Bougez! Go, 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 go! On se bouge. Restez prudents, les gars! Je vois quelques mecs là-bas avec des armes lourdes. On bouge. On se bouge, les gars. Tu es sous le feu! Ennemi abattu! Un de moins. Bossé, y a rien ici. Une autre idée, peut-être? Donne-moi une minute. Bien sûr. Mais pourquoi j'ai l'impression de ne pas pouvoir retourner à temps à Las Vegas? Paladin, j'ai trouvé quelque chose. C'est à un peu plus d'un kilomètre au nord-ouest. Ça ressemble à un village de bûcherons avec un camp de guérilla à côté. Ok les gars, on y va. Il est temps de finir le boulot.